Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'il compte m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres, on doit partir d'ici. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde. Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Oncle John! Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla! Non, c'est moi, Minerva! Et c'est moi, Drusilla! On est Minerva et Drusilla! Et on est le petit chat! Oh oui, trop mignon! Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Au secours! Oh, si vous faites l'aide, appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat! J'ai une belle robe de mari à te faire essayer! Oh, ouais, c'est trop mignon! Hé! On peut jouer avec toi, reviens! On a encore plein de robes! Allez, reviens! Une robe de cocktail! Et un pique-nique! Hâtez la petit chat! Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui! Oh, pas facile de courir avec des talons! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour! Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé! Oh oui, on va lui mettre un beau costume de tasse de l'air! Oh, mais tu es bien dodu! Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite! Je suis désolée, Madame Chaudron! C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble. Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu manges comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles, ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière. Oui, on veut que tu nous racontes l'histoire d'Hansel et Gretel. D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il n'a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Bon,
C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à penser de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Allez, où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Odie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Garfield! Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla, moi c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai, j'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. C'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà, voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venus me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez, venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Ah, pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final, 2 petites jumelles à lunettes. Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop grand et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! Garfield! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois... Oui, oui, je suppose que je dois. Garfield, à l'aide! C'est la fin, Dieu, Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah, bah, calme-toi. Non, ça m'apprendra à poser les questions idiotes. Jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place. Oh, je te souhaite un bon vol. Garfield.
Garfield. Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield, où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non. Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh, ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerai bien un peu d'herbe fraîche.